Salut! Est-ce que vous attendiez à nous voir aussi vite? Je ne crois pas, mais regardez, on est de retour. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Hein. On est trois et pas deux. Mais pourquoi, Jamie? Tommy est en guest star! Bonsoir, je m'appelle Tommy. Marco, il mange toujours son moment. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a du maquillage devant nous. Ça serait parfait que les deux me maquille et en même temps. Donc je vais donner un côté de mon visage à Margot et l'autre à Tommy. Et je vais leur donner un maquillage à suivre. Je sais pas. Ça va être rigolo. Je sais pas tenir de pinceau. J'ai essayé une fois de faire un eyeliner à quelqu'un et j'ai arrêté. Mais ça peut être dangereux. Je peux te faire mal, moi. Non, non, on fait attention. Non, doucement. Attention. C'est moi, ça? Ou ça? Non, c'est ma mère. Mais jamais. Mais jamais. Mais Clara, mais tu te rends compte? J'ai pas de crayon. Parce que moi, je sais pas si vous savez, mais moi j'adore le maquillage, j'adore me maquiller. Et il a jamais mis de crayon, Clara. J'ai pas peur. Elle a de jolies couleurs, cette dame. Oui. Fight. 1, 2, 3, générique. Est-ce que tu veux le mettre là, oui, comme oui, ça? Oui, laisse-le comme ça. Mais par quoi on commence? Bon. Ne t'attends pas à lui ressembler. Ils vont faire tes sourcils. J'ai pas de crayon sourcil, donc c'est pas grave. C'est ma seule passion. Faut leur m'aider là, les gars, moi je sais. Mais non, on t'aide pas, c'est tout le but. Mais commence. Il faut commencer au bout d'un moment, il faut se lancer. J'ai l'impression d'être un top chef là. On a qu'une heure pour tout faire. Mais de quoi? Qu'est-ce que... Pourquoi sont faits tout ça? Ah, toi aussi tu les as ceux-là? Ouais, moi aussi. Mais c'est toi, tu peux juste me dire comment je fais pour commencer la peau, s'il te plaît? Juste... Là, la peau, mais je ne fais jamais la peau, Tommy. Elle a pas de fond de teint, déjà. J'ai pas de fond de teint. Pourquoi il y a un ticket de métro dans le maquillage? Pour une technique, elle est super. Vous allez vous foutre de moi, c'est pas sympa. Attends, putain. La miniature, c'est ça la miniature. J'ai l'impression de faire... le pinceau qu'il utilise. Pourquoi quand vous faites ça, vous tapez une heure? Le surplus, surplus. Du coup, Tommy, quelle connaissance penses-tu avoir sur le maquillage? Quand tu penses au maquillage, tu penses à quoi? C'est de la nouna, non? Waouh. Donc cinéma, ok. Ensuite, quoi? Il a dit si t'as dit cinéma? Là, je peux donner une note de 1 à 10 sur ma connaissance du maquillage. Okay. Moins 2. Ah, tout c'est bon. Pas grave ça. J'ai un blush. Ah oui. À tout moment, ça va être un truc trop beau que je fais. Vous allez rien. Mais putain, c'est sûr. Faut cacher les cernes, il paraît. Alors, comment on fait pour cacher les cernes? Je sais pas, on met du truc de la même couleur de ta peau. Et comment ça s'appelle? Du blush? Non. Le blush, ça sert à quoi? Du fond de teint? Ben non. Je sais pas. Call the police. Ça fait une demi-heure. J'ai peur, il va faire un truc mieux que moi. Tu dois le faire. Plus. Appliqué sur moi, plus. Imaginez le maquillage sur quelqu'un d'autre. Les professionnels du maquillage qui vont tomber sur cette vidéo, ne jugez pas un livre à sa couverture. Ok. Je pense qu'il y en a assez. Mais tu fais quoi? C'est génial. C'est pas toi le but. Je vais faire les yeux. Bah oui. Pourquoi? C'est bien le but de cette vidéo, monsieur. Ça s'appelle comment, Tommy? Brush. Il y a 1000 pinceaux, pourquoi? Pinceau à sa mission. Il n'y a pas autant de parties du visage que tous ces pinceaux. Je suis désolée. Ah! J'ai trouvé quelque chose. Mec, tu le casses? Je pense qu'elle te casse en deux. Je fais vraiment la même chose. Pourquoi c'est rare? Non, c'est pas rare. C'est ma raison de vivre. Je te fais pas contouring de nez. Hein. Non. Je perds pas des points. Voilà. Oh, je sais pas, Clara. Mais toi, tu sais. Je peux pas vous aider. Allez, il faut que je me dépêche. Ah. Tant pis. Mais non, ferme pas les yeux. Ah, mais moi, il doit fermer de mon côté. On fait comment? Tu me fais confiance? Juste, tu me crèves pas l'œil. Non. T'as un fil qui dépasse de ton doigt ou quoi? Oh, c'est tes poils. C'est ça, toi, c'est tes poils. Bon, en attendant que monsieur fasse son crayon. Oh là là.
Oh merde, je sais plus où. Eyes stick. Ah mais pour les yeux, ça ferme les yeux. Oui mais regarde les couleurs. Le but c'est ça, Tommy. Quoi? Non, pensez ça. Tu sais le truc noir pour mettre au-dessus des yeux là? Un eyeliner? Ouais, je crois. Tu le trouves, Tommy. Tommy, sinon, ouais, tu peux nous raconter ton ascension TikTok? Ouais. Ferme les yeux. Oui, ouais, ils sont fermés. Ce que je dois faire? Non, on lui enlève pas la vue, elle est trop jeune encore. Mais tu ne me copies pas, Filou. J'ai ramené le stock parce que je me suis dit que j'en aurais bien besoin. Vous vous foutez de moi? Non. Toc toc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme je me faisais. Je m'emmerdais un petit peu pendant ce confinement. Ah bon? T'es bien le seul. J'ai décidé de. Comme je regardais pas mal de TikTok, de faire des TikTok sur les expériences que j'ai pu avoir dans mes métiers que j'ai fait. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il a des fans. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai posté 2-3 vidéos et ça a marché plutôt pas mal. Et j'ai commencé, j'avais, je sais pas moi, 100 abonnés, un truc comme ça. Et en très peu de temps, très peu de semaines, c'est monté vite à 5000 personnes. Et là, à l'heure où je vous parle, j'arrive pratiquement à la barre des 12 000. Oh my god, wow, congratulations, oh my god, you're so famous. Il a vraiment fait ça comme une interview. C'est-à-dire que là, on était à combien? Écoutez, en vrai, j'ai pas compris vraiment de suite. Tu te fous de moi? Non, personne ne ferait ça, Tommy. Franchement, comparé à moi, c'est trop moche. Elle se moquerait de moi. Hey. Mais ça va jusqu'où chez cette dame? Oh, bordel. Plus laquelle j'ai prise, Oh. Je pense que je vais prendre une pause. Oh, merde, putain, mais c'est pas ça. Se réjouir du malheur des autres, ça, c'est vache. Mais ah bon. Non, rien. T'allais dire quoi? Non, mais c'est que mes yeux ne sont pas si grands que ça, à mon souvenir. Tu parles pour les deux côtés? Non, je parle de ce côté-là, parce que ça part très là et très là-bas. Il te fait un truc pour des yeux de chat. Mais attends, parce que Tommy, les gens qui nous regardent, ils te connaissent pas. Âge, d'où tu viens? Qui es-tu déjà? Comment on se connaît? Comment on se connaît? Eh ben écoutez, non, j'ai connu d'abord Clara, parce que Clara, ça fait combien de temps qu'on se connaît? Ça fait un moment. Ça va faire 7, ça va faire 8 ans. C'était hyper beau ce que j'ai fait. J'ai fait celle-là, celle-là et celle-là. C'est bien comme procédé. Cocard de mon côté. On s'est rencontrés au lycée avec Tommy en seconde. On était dans la même classe. Mais c'est... Tommy, on voit pas les mêmes couleurs. Ah mais je m'adapte pas trop. Non, on a dit le but de la vidéo. Je vais pas y arriver. J'arrive pas déjà à mettre un crayon noir. Je vais pas commencer. Allez, tiens-moi ça, tu m'agaces. Et du coup, quand je suis entrée à la fac et que j'ai rencontré Margot, je les ai fait se rencontrer. Voilà, c'est tout, story time is over. Après, j'ai 21 ans, du coup, on a le même âge. Il est vacciné. Il est cancer. Célibataire. Ah d'accord, ok. Non, mais c'est un choix intéressant. C'est... Qu'est-ce qu'il fait? Descendre là, ouais. Ah, je me suis trop chié, je suis trop deg. Mais grigne pas! Oh mon dieu! Ah oui, il colorie, ouais. T'étais trop bien parti au début, qu'est-ce qui t'est arrivé? Shut the hell up, bitch. Pour toi, Clara, ça, ce genre de maquillage-là, toi, tout seul, quand tu le fais, tu mets combien de temps à le faire, toute seule? Ça? Sois sincère, hein. Sincèrement, si je prends mon temps et tout, en 30 minutes, c'est plié. Ta gueule. Je te jure. Waouh! Ah, Clara, il ne faut plus bouger. D'accord. Tu sais ce qu'on dit, hein? Non. Le principal, c'est de participer. Ça résonne, normalement. Oh non, dans le thé! On va savoir si je crois aux extraterrestres ou si je crois. Ben, je crois au paranormal, ça c'est sûr. Considère comme extraterrestre. Des It's what she deserves. Alors, le rouge à lèvres, c'est pas dans la bouche, c'est sur la bouche. Fais ça. Ok. T'as eu ça où? De merde, il faut observer. Ah, chacun pour son cul. Je suis en train de perdre, ça me gonfle. On va réussir, on va gagner ensemble. C'est pas vrai, je vais te fumer. Oh my. Allez, va, t'as fait quoi? T'as fait comment les lèvres? C'est pour le côté. Oh, monsieur a fini, excusez-moi. Ce qui
qui devait être fait, qui a été fait. Amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth to it. On dirait que t'as été battue. Face reveal. Alors, j'ai plein de choses à dire. Déjà, Tommy, franchement, pour quelqu'un qui n'a jamais maquillé, je suis très impressionnée. Le trait est très précis. Tu me regardes. Tu regarderas après. C'est un peu, t'es un peu descendu bas, comme je l'ai ressenti. C'est quand même, on va jusqu'ici. Peut-être que je me rapproche pour que vous me voyiez mieux. Parce qu'il te fait rien. Toi tu rigoles, on a besoin du mieux qu'on pouvait. Margot, de ton côté par rapport aux yeux, c'est vraiment, c'est juste en dessous. Ça, c'est l'enfer. Mais en vrai, Margot, le trait, il est parfait. Le dégradé avec les paillettes et tout, franchement. Alors, je vais mettre aux côtés de Tommy 7 sur 10, parce qu'en vrai, je suis pas impressionnée. Aux côtés de Margot, un 8,5, parce que je suis très impressionnée. Non, mais chier, putain, merde. Mais parce qu'il y a un dégradé, il y a des paillettes, oui, mais... tu vois, mais les paillettes elles sont... Non, mais j'ai pas trouvé les paillettes, je les ai pas, je fais du mieux que je peux. J'ai fait des mélanges de couleurs, j'ai donné de ma personne. Ah. Après Margot se rapproche un peu plus de la photo que de toi Tommy. Je suis... Parce que tu vois, il y avait plus de... Mais c'est très bien. Pour quelqu'un qui n'a jamais maquillé personne, un 7 sur 10, c'est génial. Ben voilà, vous pouvez aussi voter en commentaire quel côté est le mieux. Je vous... Un dernier petit... Tommy. Oui, mais non. Voilà. Merci parce que c'était très rigolo. Ta expérience ? 2 sur 10. Waouh. Alors que je viens de te mettre un 7. Non, déconne. Comment ? Non, c'est juste que j'ai pas l'habitude de maquiller. Beaucoup de matériel pour pas grand chose. Je pense qu'on pourrait se contenter condenser les choses. Et ce serait plus intéressant pour nous les hommes. Voilà. C'est une expérience qui est à faire, que je propose à tout le monde, bien sûr. Mais à réitérer, pas tous les jours. Merci. À chaque fois qu'on lui pose une question, il répond comme un ministre. Bon, ben voilà. T'as d'autres choses à dire, Margot ? Non, moi c'était cool, je dois m'améliorer, ça m'énerve, viens pas perdre. T'as gagné ? Oui, t'as gagné. Mais je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Oui, voilà. Alors, y aura d'autres entraînements. Moi, j'aime les deux côtés, à leur façon. Paix et bonne humeur. Bisous ! À bientôt. Et là, te démaquiller, ça va être...